Salut les amis boxeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, nous allons voir comment améliorer ses réflexes et sa précision grâce à la fireball. Si vous ne savez pas ce que c'est, la fireball, je vous laisse découvrir ce petit clip vidéo. C'est parti. Voilà, comme vous avez pu le voir, donc c'est un exercice sympa pour affûter ses réflexes et sa précision. Maintenant, nous allons voir comment la fabriquer pour seulement 2 €. Donc c'est très simple. Pour ça, il vous suffira donc d'avoir une balle de tennis. Vous en trouvez à Decathlon pour 1 €. Il vous faudra également un élastique. Donc voilà, l'élastique, j'ai trouvé à 1 € chez Jiffy. Vous en trouverez aussi en grande surface au rayon couture. Ensuite, il vous faudra une casquette ou un bandeau. Donc c'est au choix. Moi, j'ai préféré la casquette, c'est plus sympa. Et enfin, un cutter, donc c'est pour faire un trou dans la balle. Voilà, c'est parti, on va voir ensemble les étapes de fabrication, c'est très simple. La première étape consistera à faire un trou dans la balle. Donc vous faites un trou à ce niveau-là d'environ 1 cm. Donc, ensuite, vous découpez un morceau d'élastique de 70 cm de long. Ensuite, il faudra faire plein de nœuds de façon à obtenir une boule. Et ensuite, il faudra venir insérer la boule dans le trou. Comme vous pouvez le voir, une fois qu'il y a le nœud, donc ça tient bien. La dernière étape consistera à faire un double nœud à la casquette ou au bandeau. Pour la taille de l'élastique, il faut que ça arrive à peu près à ce niveau ici, au-dessus du nombril. Voilà, vous savez tout. À vous de jouer. Donc on démarre avec le gauche, on jab. Et après on fait du gauche droit. Voilà, la vidéo est finie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, faites du sport et repoussez toujours vos limites.